Donc, troisième cours sur la marée. Nous avons déjà vu les forces génératrices, le champ des forces, les différentes perturbations du mécanisme des marées, d'origine astronomique ou géographique, de la météorologique, la pression, le vent. On a vu l'analyse spectrale de ce marégramme et les outils qui vont permettre de faire de la prédiction. Donc, on va maintenant parler de quelques sites internet ou de logiciels. Je vous mettrai surtout les liens et les noms dans le courrier électronique et je vous invite à aller voir, les installer chez vous, les essayer. On parlera ensuite de la marée au large, la référence de la surface maritime, notamment pour mesurer les réchauffements climatiques. On parlera de la marée au large et enfin on finira avec coefficient. Et on fera un exercice avec le coefficient pour simplement montrer que c'est une notion qui existe encore pour des raisons historiques, mais qui n'a plus beaucoup d'intérêt, en tout cas pas du tout pour la marée d'un point de vue professionnel, éventuellement les courants. Et on fera un exercice avec la règle des 12e pour dire et marteler qu'il ne faut surtout pas l'utiliser dans un contexte professionnel. Donc on a vu les prédictions de marée, heure et hauteur qui sont données dans les annuaires pour le programme de première année. On va utiliser le document français et anglais, mais il existe aussi des prédictions disponibles sur internet, les sites internet officiels du CHOM pour la France, de l'UKHO, donc Hydrographic Office anglais pour l'Angleterre, et nos équivalents américains donnent des prévisions en général pour une semaine à 10 jours maximum à partir de la date actuelle. Et je vous ai mis les liens dans les messages que je vous envoie. Je vous invite à aller voir et tester pour des ports que vous avez choisis, ou bien parce qu'ils sont près de chez vous, ou bien parce que ce sont des ports qu'on a cités dans les maxima ou dans les différents types de marées diurnes, semi-diurnes, etc. Et vous pourrez regarder les marégrammes qui sont dessinés pour quelques jours. Regardez aussi les unités, faites très attention pour les prédictions en anglaise, elles sont données en les prédictions américaines sont données en pieds, alors que le reste du monde fonctionne désormais en mètres. Et enfin, un logiciel. Il en existe des logiciels officiels que vous trouvez à bord, parfois qui sont interfacés avec la carte électronique. Et un logiciel que je vous invite à tester, puisqu'il est gratuit, qui n'a pas valeur de remplacement des documents officiels, mais qui vous permet dès aujourd'hui de regarder le résultat et éventuellement l'utiliser dans un contexte privé de plaisance, si vous souhaitez. Donc ce logiciel, Marée dans le monde, a été fait avec différentes sources d'informations. Donc ça reprend des harmoniques calculées pour des ports français par le CHOM, des harmoniques trouvées dans des vieux logiciels anglais, WTide 32. Et le logiciel utilise pour son calcul une vingtaine d'harmoniques, alors que le CHOM en utilise aux alentours de 120, parfois plus. Donc la différence entre 20 et 120 harmoniques, c'est qu'on va avoir une meilleure précision, parce qu'on va prendre en compte des vagues, des ondes, qui ont des amplitudes de quelques centimètres, quelques millimètres, et le fait de les prendre en compte va parfois contribuer à la hausse, parfois à la baisse. Statistiquement, donc la moyenne, la contribution se rapproche de zéro, mais ça va apporter une précision de quelques centimètres supplémentaires pour des prédictions de marées qui ont lieu cette année ou dans plusieurs années. Le logiciel propose d'aller de 1900 à 2100. L'intérêt de ce logiciel, au-delà de son côté gratuit et pédagogique, c'est que vous pouvez voir dans les menus, tout à droite, vous avez un menu qui permet de modifier un port ou de créer un nouveau port. Donc s'il s'agit d'un port principal, vous voyez directement les valeurs utilisées pour chaque harmonique. Donc en plus de son nom qui vous donne la période, vous avez son amplitude en millimètres et sa situation, c'est-à-dire la phase en degrés. Si c'est un port principal, vous pouvez modifier ou créer ces paramètres. Si c'est un port secondaire, un port rattaché, comme on dit dans l'annuaire français, vous pouvez modifier les corrections d'heure et corrections de hauteur pour la pleine mer et la basse mer en vivo, en morto. Donc ça vous permet de fonctionner exactement comme l'annuaire des marées français, et c'est le même cas dans l'annuaire des marées anglais. Donc ce logiciel est intéressant et je vous encourage à l'essayer pour voir des marégrammes dessinés en temps réel et éventuellement utiliser pour créer ou corriger des exercices, puisque vous pouvez fixer un seuil, un tirant d'eau et voir les créneaux horaires pendant lesquels vous pouvez passer pour n'importe quel port. On continue avec la marée au large, page 29. Vous avez une carte qui a été obtenue à partir d'enregistrements faits par satellite, une carte de la surface maritime océanique au large, et on constate qu'il y a des zones avec des marées plus ou moins fortes. Donc en dessous, vous avez un dégradé de couleurs qui indique avec les couleurs rouge, marron, les plus forts marnages, et en bleu, les plus faibles marnages. Donc on voit qu'il y a des zones bleues où il y a des très faibles marnages, on arrive proche de zéro,
Et les lignes blanches sont les lignes cotydales, c'est-à-dire qu'elles rejoignent tous les points où la pleine mer a lieu au même instant. Quand on voit toutes ces lignes cotydales qui convergent vers un point, ça veut dire qu'en ce point-là, toutes les pleines mers ont lieu à différents instants au même endroit, ce qui serait incohérent. En réalité, elles convergent vers des points où il n'y a pas de marnage. Donc c'est les points qu'on appelle amphidromiques, et on les a trouvés grâce à ce genre de cartes. Ce n'est pas des points précis, mais plutôt une zone où on a peu de marnage, ça n'empêche pas qu'il y ait des vagues dues au vent. Et on a pu vérifier avec des navires qui passaient par là qu'il y a effectivement très peu ou pas de marnage. Et des zones où il y a un peu plus de marée, vous voyez que globalement, au large, la marée dépasse rarement 70-80 cm de marnage. C'est quand elle s'approche des côtes que la marée commence à prendre des amplitudes beaucoup plus grandes, jusqu'aux 12-13 mètres de Saint-Malo ou 20-24 mètres de la baie de Fundy au Canada. Alors, cette surface océanique sert de référence pour le niveau des altitudes. Le niveau moyen est choisi pour l'IGN français, l'Institut Géographique National, et des références très proches sont choisies dans d'autres pays. Mais cette surface océanique sert aussi de référence pour observer l'éventuel réchauffement climatique ou les changements de climat. Alors, c'est pas exactement un point qui est prévu dans le cours, mais comme c'est un point que vous aurez sans doute dans vos discussions où vous verrez apparaître comme référence dans les débats sur le climat, il me semble intéressant de faire un petit zoom là-dessus, de passer quelques minutes. Donc vous avez les pages 30, 31, 32 et 33, quelques mots là-dessus, qui sont disponibles dans l'ouvrage qui m'a servi de référence pour ce cours, et que vous retrouvez au CDI en version papier ou sur Internet gratuitement en version numérique. Donc le premier diagramme, c'est l'évolution du niveau moyen enregistré à Brest. Donc ce niveau moyen, il a été corrigé d'abord des effets météo, il y a quelques trous parce qu'il y a eu des conflits qui ont perturbé localement les mesures faites à Brest, et on constate après toutes ces corrections que globalement le niveau moyen est en train de monter. Alors ça fait dire à certains journalistes que le niveau de la mer monte à Brest, donc ils en déduisent d'une particularité de Brest une généralité dans le monde, et il conclut finalement que le climat est en train de se réchauffer puisque l'eau monte à Brest. Alors il faut mettre quelques corrections, parce que si on constate une augmentation du niveau à Brest, on constate une diminution dans d'autres points du monde. Et pour le cas particulier de Brest, il se trouve que Brest est sur une plaque, un morceau de la plaque européenne, qui est en train doucement de basculer. Hein, donc Brest s'enfonce, pendant que l'autre côté de la plaque, donc le nord de la Scandinavie, augmente, tout simplement parce qu'autrefois il y a une calotte glaciaire qui appuyait sur la Scandinavie, et comme elle a fondu, la Scandinavie remonte, la poussée d'Archimède du manteau terrestre l'a fait remonter, et du coup Brest s'enfonce. Et on constate ça maintenant qu'on a des récepteurs GPS ou d'autres systèmes qui permettent de mesurer avec une précision millimétrique la dérive des continents. Donc pour la majeure partie, l'explication à Brest est due au mouvement tectonique. Donc il y a d'autres endroits dans le monde où on a ces dérives, horizontales ou verticales, parfois des oscillations comme Brest en Scandinavie. On a aussi observé que certains endroits où la marée monte, eh bien le manteau terrestre et la croûte terrestre a tendance à s'affaisser avec des périodes égales à la marée, si bien que les mesures qui sont faites avec le marégraphe à cet endroit-là sont perturbées par ce mouvement. Donc le marégraphe mesure un mouvement relatif, alors qu'il faudrait mesurer un mouvement absolu si on veut servir de la surface océanique comme mesure de l'augmentation de la température de l'atmosphère. Après, vous avez quelques explications. Page 31-34, si on attribue les effets du réchauffement climatique à la fonte des glaciers et la dilatation thermique, c'est-à-dire dans le premier paragraphe, on imagine que les calottes glaciaires fondent, et on parle beaucoup de l'Arctique, où effectivement la température augmente, la calotte glaciaire recule, mais on parle beaucoup moins de l'Antarctique, où la température continue de diminuer, et du coup l'épaisseur de glace, le volume de glace accumulé, continue d'augmenter. Ça veut dire que ce qui fond dans l'Arctique, pour une bonne partie, se retrouve piégé en Antarctique. Et le bilan, a priori, serait plutôt négatif. Alors toutes ces simulations, ces mesures, sont faites avec des incertitudes, des barres d'erreur, qui sont très proches de ce qu'on mesure. Donc finalement, si on mesure plus d'un centimètre, souvent l'erreur est aux alentours de plus ou moins un centimètre. Ce qui fait conclure qu'il faut beaucoup de prudence avant de tirer des conclusions, même si certains organismes scientifiques ou pseudo-scientifiques ont parfois tiré des conclusions hâtives. Donc vous avez une autre simulation qui est faite. Si on augmente une surface de l'océan, une couche de l'océan, donc entre 0 et 50 mètres, de 1 degré, quelle serait cette contribution? Et on constate que la contribution n'est pas si grande, de l'ordre de quelques centimètres, et que l'hypothèse de réchauffer une couche si épaisse
est énorme, parce que ça nécessiterait une énergie qu'il faudrait plusieurs siècles pour accumuler simplement en rayonnement solaire. Quelques mots sur le mouvement du sol, qui montre que pour les observer, si on veut les prendre en compte, il faut des points de repère, et que ces points de repère, actuellement, c'est souvent le GPS qui sert. Donc GPS est basé sur un ellipsoïde qu'on appelle WGS84. Donc l'ellipsoïde, c'est une forme géométriquement très régulière. On a pris une ellipse, on l'a fait tourner autour d'un axe, et que cet ellipsoïde a été choisi en le calant sur 20 points de la surface terrestre. Donc le WGS84, c'est un ellipsoïde qui est pratique parce que c'est celui de GPS, mais il utilise que 20 points. Donc si ces 20 points dérivent à cause de la tectonique des continents, l'ellipsoïde petit à petit se trouve décalé de la réalité. Donc les scientifiques travaillent depuis longtemps avec un autre ellipsoïde qu'on appelle ITRS, et celui-ci est basé sur beaucoup plus que 20 points et n'utilise pas seulement les satellites du GPS, mais beaucoup d'autres systèmes d'observation, y compris à très longue distance, puisque plus on observe loin, plus l'erreur est faible. Et on constate dans ces cas-là que la surface océanique, si elle était dessinée à partir de ce nouvel ellipsoïde, l'ITRS, serait assez surprenante. On verrait notamment que la surface océanique serait plus élevée au large que dans la Manche, ce qui ferait penser que l'eau s'engouffrerait. Or, c'est pas du tout le cas. Donc il y a d'autres explications, des changements de l'intensité du vecteur gravité, cette tectonique des plaques, etc. Donc même si ça sert de référence grossière pour mesurer les effets du réchauffement climatique, il faut rester très prudent avant de tirer des conclusions sur des mécanismes à très court terme. On va continuer avec le coefficient. Le coefficient est très souvent utilisé dans les prédictions de marées destinées aux touristes ou aux pêcheurs le long de la plage, mais en réalité c'est une information qui est de moins en moins utilisée, en tout cas dans le domaine professionnel. Alors le coefficient, c'est un instrument pour prédire la hauteur des marées qui a été établi par Laplace. Laplace est le premier qui a étudié la marée en faisant d'abord des enregistrements de longue durée et en faisant des hypothèses malgré le peu d'outils mathématiques dont il disposait. Sa principale hypothèse, c'est que la marée qu'on observe est la superposition de plusieurs ondes dont il a essayé de définir la hauteur et la période. Ainsi, il a proposé une méthode de prédiction des marées, et pour sa prédiction, il s'est attaché à une seule onde, considérant que c'était elle qui avait la plus grande contribution. C'est l'onde qui serait créée par une lune qui tourne dans le plan de l'équateur, avec une orbite circulaire, donc une régularité parfaite. Et dans l'hypothèse où on n'a que cette onde-là, il a essayé de prédire les marées sur les côtes françaises, les côtes de l'Atlantique, à partir de l'observation dans un seul port, en imaginant qu'après le décalage se fait uniquement dans le temps et dans l'amplitude. Donc il a défini un coefficient C qu'il va calculer à Brest à partir de la formule A, l'amplitude de la marée qu'il observe ou qu'il prédit à Brest, divisé par 2 fois U, U étant l'unité qu'on va expliquer plus tard, et ainsi il calcule ce coefficient. Il le prédit et il le diffuse dans ce qui aujourd'hui s'appelle un annuaire des marées. Alors U, c'est l'unité de hauteur, elle est propre à chaque port. Et on va pouvoir la calculer à partir de la hauteur pour les pleines mers de Vivo moyenne et la hauteur des basses mers de Vivo moyenne. Et les Vivo moyennes, ça correspond à un coefficient de 95. Alors, on va diviser par 2 cette amplitude, ce marnage, pour avoir le demi-marnage, et multiplié par 0,95 au dénominateur, parce que ça permet 95, le coefficient, de le ramener avec division par 100 à l'équivalent d'un pourcentage. Donc ce coefficient, c'est un peu comme un pourcentage qui varierait entre 0 et 100, mais on l'a décalé entre 20 et 120, parce que le marnage n'est jamais nul, même dans les vivos les plus extraordinaires. On a toujours un... même dans les mortaux, pardon, les plus extraordinaires, où il y a très peu, très petit marnage. Donc on l'a décalé entre 20 et 120, ce qui fait que les valeurs remarquables sont au milieu, non pas 50, mais 70, et puis l'intermédiaire, non pas 25, mais 45, et à la place de 75, ça ferait 95. Donc U, c'est l'unité du port, et on va la calculer à l'aide des enregistrements qui ont été effectués en observant le marégramme, en calculant des valeurs moyennes sur des longues périodes. Et 2U, c'est en fait l'amplitude, ou le marnage, pour les marées de Vivo.
Il est vivant, on verra, c'est le coefficient 95. A, c'est l'amplitude, ou le marnage, de l'amarré qui nous intéresse. Et donc U, l'unité, ou demi-amplitude, pour une marée de vivant. Alors comment est-ce qu'on va faire pour calculer la hauteur dans un autre port? Eh bien, on va utiliser hauteur de pleine mer, qui sera égal au niveau moyen dans le port qui nous intéresse, plus le coefficient divisé par 100 et multiplié par U. Et si on veut avoir la hauteur pour la basse mer, on va changer dans cette formule simplement le signe. Donc pour la basse mer, on aura la même formule avec le signe moins. Alors dans l'hypothèse de Laplace, on ne prenait pas le niveau de moyen, mais le niveau de mi-marée. Alors le niveau de mi-marée peut être légèrement différent, parce que le niveau moyen, on a vu, c'était le niveau moyen de toute la sinusoïde sur un très long enregistrement, ici. Mais si on prend une marée particulière, par exemple, cette marée qui commence à la pleine mer et finit à la basse mer, son niveau moyen, il est un peu en dessous, le niveau de mi-marée est en dessous du niveau moyen. Alors que si on prend la marée suivante, celle qui commence à la marée basse et finit à la marée haute, bah ici le niveau moyen, il est un peu, le niveau de mi-marée, pardon, est au-dessus du niveau moyen. Donc le niveau de mi-marée peut être légèrement différent, un peu au-dessus, un peu en dessous, du niveau moyen qui lui est calculé sur toutes les marées d'une très longue période. Donc initialement, Laplace prenait le niveau de mi-marée, ce qui causait déjà une petite erreur, puisqu'on ne pouvait pas le connaître précisément. Donc nous, on va prendre le niveau moyen, considérant qu'ils sont très proches. Et à l'aide de cette formule, on va prévoir les hauteurs de pleine mer ou de basse mer pour une marée. C'est-à-dire que le coefficient vous permet de faire des prédictions à long terme. Connaissant le coefficient calculé à Brest, vous pouvez trouver la hauteur de pleine mer, basse mer pour un port, pour n'importe quelle marée, mais vous ne pouvez jamais trouver les heures. Donc il faudra toujours avoir un annuaire des marées qui vous donne des heures. Et tant qu'acheter un annuaire qui vous donne des heures, trouvez dans ce même annuaire non seulement les heures et les hauteurs. Du coup, le coefficient n'a plus aucun intérêt. Alors il est quand même utilisé parce que ça permet dans les barres de parler des marées qu'on va faire, de donner avec un peu plus de précision que simplement l'âge de la Lune, les amplitudes qu'on va observer. Mais retenez que c'est une information qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Le seul endroit où vous pourrez l'utiliser, c'est si vous faites un calcul avec des prédictions de vitesse de courant, où les vitesses de courant sont données en vivo ou morto, et on peut faire une interpolation à l'aide du coefficient pour avoir une précision un peu plus grande. Alors cette précision est souvent illusoire parce que les prévisions de courant sont entachées d'une énorme erreur compte tenu des variations qu'on peut observer, notamment à cause de la météo. Donc pour nous, on va faire un exercice avec ce coefficient, mais retenez toujours que c'est quelque chose que vous n'utiliserez jamais, simplement pour mettre en pratique cette valeur qui a été calculée, qui est une valeur plutôt historique aujourd'hui. Donc l'exercice consiste à calculer pour l'île de Sein, pour une marée dont on trouve les informations suivantes dans l'annuaire, coefficient 81, heure de la pleine mer et de la basse mer, calculer pour cette marée quelle sera la hauteur de la pleine mer, la hauteur de la basse mer, et enfin on utilisera cet énoncé pour continuer avec la règle des douzièmes, aussi une règle qui sera inutile et surtout on vous recommandera de ne pas l'utiliser dans un environnement professionnel ou dans les interros, elle ne vous apportera rien, aucun point. Mais comme ça fait partie des choses qui sont au programme, on va montrer comment c'était utilisé autrefois et pourquoi c'est une méthode qui est toujours enseignée dans certains centres de formation privée qui préparent au permis mer ou dans des clubs nautiques. Donc imaginons qu'on a un annuaire des marées qui ne donne que les heures et les coefficients, mais pas les hauteurs de pleine mer, de basse mer. Dans ce cas-là, on va utiliser les informations du coefficient, la définition, et les informations disponibles sur la carte. Alors sur la carte, on a vu dans le premier TD que la carte de Brest, à droite, à peu près en bas, vous donne un tableau avec des informations sur certains ports, et notamment le port de l'île de Sein, où on vous donne latitude, longitude, mais aussi les valeurs de la pleine mer de Vivaux, pleine mer de Morteau, basse mer de Morteau, basse mer de Vivaux, etc. Et dans ces quatre colonnes, vous avez la valeur, donc l'écart vertical entre le zéro hydrographique de l'île de Sein
et ces différentes valeurs moyennes qui ont été calculées sur Marygram. Alors je vais les recopier telles qu'elles sont données sur la carte. Donc pleine mer de Morteau, basse mer de Morteau et basse mer de Vivo. Pour l'île de Saint, 5,1 en Vivo, 3,9 en Morteau, et pour les basses mers, 2,1 et 0,7. Alors ces valeurs vont nous servir parce que dans la formule du coefficient, on a besoin du niveau moyen. Et le niveau moyen, c'est la moyenne de ces quatre valeurs. Donc on va calculer le niveau moyen à 5,1, 3,9, 2,1, plus 0, c'est 5,1 plus 3,9, ça fait 5 et 4, 9, plus 2,1, 11,1, 11,8. 11,8 c'est 12 moins 0,2, donc divisé par 4 ça va faire 3 moins 0,05, donc 2,95 mètres. On va calculer aussi l'unité du port de l'île de Saint. Donc d'après les définitions qu'on a juste avant, ça nous fera 5,1 moins 0,7 divisé par 2 et par 0,95. Ce qui nous fait 5,1 moins 0,7 4,4 divisé par 2 et divisé par 0,95, donc 2,315, donc on va arrondir le 1 à la hausse, 2,32 mètres. Ça c'est l'unité pour l'île de Saint, et donc on va pouvoir calculer la hauteur à la pleine mer. Ça nous fera le niveau moyen, donc 2,95, plus le coefficient, on dit 81, divisé par 100, et multiplié par U, donc 2,32. Ce qui nous fait 2,95, plus 81 divisé par 100, multiplié par 2,32, 4,829, donc on va arrondir à la hausse, 8,3. Et pour la basse mer, on va prendre la même formule en remplaçant le plus par moins. Donc 2,95 moins 81 divisé par 100, 2,32. Ce qui nous fera 1,07. Voilà, donc cet exemple pour vous montrer comment le coefficient pouvait être utilisé autrefois pour calculer les hauteurs de pleine mer et basse mer de une seule marée, sous réserve d'avoir les informations disponibles sur la carte. L'idée c'est d'avoir peu de documents dans un contexte où on avait de toute façon peu d'instruments, pas de calculatrice mais simplement du calcul mental, et on se contentait de ces informations grossières. Et vous imaginez que si vous avez un document qui vous donne les heures, le même document vous donnera aussi les hauteurs. Du coup, l'intérêt du coefficient est très restreint. On va regarder maintenant, avant les 12e, les valeurs caractéristiques de ce coefficient. Donc, lorsqu'on est en période de vivo, le vivo moyenne, ça correspond à un coefficient de 95. Lorsqu'on a une période de morteau, ça correspond à des coefficients d'environ 45. Alors les coefficients minimum, ce sera 20, maximum 120 et moyen, du coup 70. Alors on parlera de marée moyenne quand on a 70. Et pour les autres, on parlera de marée extraordinaire dans le sens où ça se reproduit rarement, de Morteau. Et pour 120, bah, ça sera aussi des marées extraordinaires, mais de Vivo.
de Vivo. Alors celles-ci, elles sont extraordinaires parce qu'elles n'arrivent pas souvent, mais elles sont aussi extraordinaires parce que comme ça fait des très grandes amplitudes, la mer descend très bas, on peut aller pêcher à pied à des endroits où d'habitude il y a de l'eau, et aussi la mer va monter très haut, ce qui va parfois passer au-dessus des digues, et c'est souvent pour cette raison qu'on en parle aux journaux télévisés, parce que les journalistes qui n'ont rien à dire en août s'intéressent aux grandes marées. Mais elles ne sont pas toujours extraordinaires, parce que c'est souvent les surcotes liées à des tempêtes qui vont faire passer la marée à des hauteurs rarement enregistrées. Alors parfois, on utilise le coefficient 100. Ce sera des marées moyennes, des marées de vivo d'équinoxe. Alors si on observe une vivo aux alentours de l'équinoxe, en général, les amplitudes sont un peu plus fortes, et du coup, ça correspond au coefficient 100. Donc, équinoxe, c'est quand le soleil est dans le plan de l'équateur, donc sa déclinaison est à zéro. La longueur de la nuit est égale à la longueur de la journée. Et comme la Lune tourne non pas dans le plan de l'équateur, mais dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le même plan que là où la Terre tourne autour du Soleil, ben, la déclinaison de la Lune, elle, varie de plus 25 en gros à moins 25 par rapport à l'équateur. Si bien que la période d'équinoxe, c'est une période où le Soleil est en plein équateur. Statistiquement, on a pas mal de chances de trouver la Lune qui passe dans ce même plan, et du coup d'avoir des conjonctions ou des oppositions. Donc voilà pour les valeurs moyennes du coefficient. On va maintenant continuer avec l'exercice 2. Concernant la méthode des douzièmes, c'est une méthode qu'il est recommandé de ne pas utiliser, donc c'est indiqué noir sur blanc dans l'annuaire des marées, dans l'exercice du TD15. Mais comme on doit en parler, prévu dans le programme, on va dire quelques mots. Elle consiste à faire deux approximations. La première approximation, c'est que la courbe des marées serait toujours une sinusoïde, ce qui n'est pas vrai. Il y a des exemples comme à Bordeaux ou à Havre, vous avez des courbes qui sont données pour ces deux ports dans le fascicule d'exercice qu'on fait en TD, et vous verrez qu'elles sont loin d'une sinusoïde. Une première approximation qui n'est pas toujours justifiée. Deuxième approximation, on va calculer une interpolation, non pas sur une sinusoïde, mais sur des segments de droite. Donc la sinusoïde, sur mon dessin, à la page 34, est représentée en bleu, et les segments de droite de la règle des douzièmes sont représentés en rouge, donc aux alentours de la mi-marée, là où le CHOM nous dit, attention, la prévision a des erreurs qui sont les plus grandes. La méthode des douzièmes, en faisant l'interpolation sinusoïdale, est pas très loin de l'interpolation sinusoïdale. Mais si votre courbe n'est pas sinusoïdale, vous rajoutez une erreur. Par contre, en plus de l'erreur sinusoïdale, la méthode des douzièmes rajoute des erreurs au début et à la fin de la marée. Vous voyez que là, les segments de droite s'éloignent de la courbe de la sinusoïde. Donc c'est une méthode qui rajoute des erreurs, mais elle était tolérée à une époque où on ne s'intéressait pas forcément à avoir une grande précision, mais on voulait simplement avoir une méthode qui, moyennant du calcul mental, était tout à fait accessible. Notamment, on n'est pas de calculatrice. Alors aujourd'hui, il y a des calculatrices au collège, au primaire, au lycée et partout sur les passerelles. Le calcul mental, par contre, lui, n'est pas toujours très présent. Donc il est intéressant d'avoir les deux pour éviter des erreurs. Donc comment elle fonctionnait, cette méthode? Elle consistait à dire que la durée de la marée était découpée en 6, et ça donnait le nom des heures marées, une heure marée, et l'amplitude, le marnage, était découpé en 12, ce qui a donné son nom à la règle des douzièmes, le douzième du marnage. Alors attention, l'heure marée, c'était la durée d'une marée, qui fait environ 6 heures, mais parfois plus, parfois moins. Et aujourd'hui, quand on donne des valeurs de courant, par exemple, sur la carte, c'est toujours des heures de 60 minutes, même si la marée est plus longue ou plus courte. Attention à cette ambiguïté. Cette ambiguïté vient de la règle des douzièmes. Elle n'a pas lieu d'être. On ne devrait pas parler de la règle des douzièmes. On ne devrait plus en parler. Donc on va faire un exemple avec cet exercice, en utilisant la règle des douzièmes. Mais encore une fois, j'insiste, ne l'utilisez jamais, ni en interro, ni à bord. Vous êtes censé utiliser les méthodes qu'on voit dans les TD avec l'annuaire des marées du CHOM. Donc on va reprendre les paramètres de notre marée. Donc à l'île de Sein, pour la pleine mer, on a une hauteur de 4,83 mètres et à la basse mer de 1,07 mètres. Les heures qu'on avait lues dans l'annuaire, c'était 17h20 et 23h15. Donc on va calculer le marnage. Ce sera la hauteur de pleine mer, 4,83, moins la hauteur de basse mer, 1,07. Ça nous donne
moins la basse mer. Donc marnage 3,76 mètres. Et si on découpe ce marnage en 12, ça donne 1 douzième. Donc divisé par 12. 0,31 mètres. Donc 3,33,33. Après, il y a une partie décimale infiniment longue. On va calculer la durée de la marée. Donc 23h15. Moins 17h20. Donc si on avait 23h20, ça fait une marée d'exactement 6h. Là, elle finit un peu plus tôt. Donc on a 5h55. Et on va découper en 6 pour avoir ce qu'on appelle l'heure marée. Donc 5h au degré 55 minutes divisé par 6. Et on va mettre ça en heure minute seconde. Ça fait 0h 59 minutes et 10 secondes. Alors, comme les centimètres ici, on garde les centimètres mais pas les millimètres. Là, on va pas garder les secondes. Du coup, on va déjà faire une petite approximation qui engendrera forcément à la fin une petite erreur. Et maintenant, on va calculer pour chaque heure marée la hauteur jusqu'à obtenir, pour la question qui nous intéresse, le créneau aux alentours de 20 heures. Alors, la marée commence à monter, à descendre à partir de 17h20. Là, c'est la pleine mer. Et la hauteur à ce moment-là est de 4,83 mètres. Pendant la première heure marée, donc on rajoute 59 minutes, on arrive à 18h19. On va rajouter, on va changer la hauteur de moins 1 douzième du marnage. Donc 4,83 moins 0,31, il va nous rester 4,52 mètres. Alors on n'est toujours pas aux alentours de 20 heures, donc on va continuer à rajouter une heure marée. Donc on rajoute 59 minutes, on va arriver à 19h18. Et cette fois, on va retrancher 2 douzièmes du marnage. Donc 2 fois 0,31, ça fait 0,62. On va arriver à 3,90 mètres. On n'est toujours pas aux alentours de 20 heures, donc on va continuer. Pendant la troisième heure marée, on rajoute 59 minutes, ce qui nous donne 20h17. Pendant la troisième heure marée, on va considérer que la hauteur change de 3 douzièmes. Donc ça veut dire que la première heure, moins 1, moins 1 douzième, la deuxième, moins 2 douzièmes, moins 3 dixièmes, après c'est symétrique, moins 3 douzièmes, moins 2 douzièmes, moins 1 douzième. Et à la fin, on a 12 douzièmes. Donc 3 fois 0,31, on fait 93, on va arriver à 2,97 mètres. Et cette fois, on est arrivé aux alentours de 20 heures. 20 heures, ça se trouve dans ce créneau. Et on va considérer que pendant ce créneau, pendant une heure marée, la variation de hauteur est linéaire. Et donc on va faire une interpolation avec ces valeurs ici. Donc de 19h18 à 20h, ça nous fait un décalage ici de 0h42 minutes, alors que l'amplitude complète c'est 59 minutes. Ici, le changement complet, on a dit c'était 3 douzièmes, 0,93 mètres, et on voudrait savoir combien on va retrancher à 3,90. Donc, alors je vais l'écrire en bleu le grand changement. Et le petit changement, on va l'appeler delta H. Delta H, ça nous fait moins 0,93, c'est le grand changement de hauteur, multiplié par 0h42 minutes divisé par 0h59 minutes. C'est le petit changement en temps et le grand changement en temps. Donc là, ou bien vous travaillez avec les heures minutes où vous mettez directement les minutes, 42,59, qui va faire moins 0,93 multiplié par 42 divisé par 59. Ça fait moins 0,66.
Donc ici, le delta H, c'est 66 cm en dessous de 3,90. Ce qui va nous faire H égale 3,90 plus moins 0,66. Finalement, H sera égal à 23,24 mètres. Voilà comment la règle des douzièmes travaillait. Elle cherchait d'abord pour chaque heure marée la hauteur correspondante, et dès qu'on arrivait dans l'intervalle qui encadrait l'heure ou la hauteur souhaitée, on finissait par une interpolation linéaire. Donc c'est une méthode qui est facile à mettre en œuvre parce qu'elle demande un calcul mental assez basique, hein, addition, soustraction, multiplication. Mais attention, d'une part elle fait deux interpolations, sinusoïdale et puis des segments de droite, et d'autre part le CHUM recommande clairement de ne pas l'utiliser mais de suivre tout simplement les méthodes qu'on voit en TD. Donc voilà ce cours théorique sur la marée qui se conclut. Je vous invite à prendre le temps qui reste pour le créneau, normalement qui fait 1h30, à visiter les sites de prévision de marée, à regarder différents ports ou bien le même port sur les différents sites, et enfin à prendre le temps de télécharger ce logiciel qui est très simple d'utilisation, enfin un tout petit logiciel que vous téléchargerez et vous installerez rapidement, Marée dans le monde, et à regarder bah, par exemple les mêmes ports que vous avez testés sur des prévisions en ligne, ou comparer avec les prévisions disponibles dans l'extrait que je vous donne pour le fascicule des TD, et ainsi avoir la précision que vous obtenez. Alors regardez un peu aussi, en quelque sorte, le didacticiel, hein, l'aide qui est fournie avec ce logiciel, où vous avez beaucoup d'explications très claires, quelques dessins, sur le phénomène des marées et comment le logiciel va les appréhender.